L'horizon pour destination. Ce 19 septembre 2015, en baie de Douarnenez, 72 marins novices et confirmés s'élancent à l'assaut de l'Atlantique sur leur 6,50 m, le plus petit bateau de course au monde. Départ réussi, mais quelques jours auparavant, Denis Hugues, le directeur de course, naviguait, lui, entre tension et inquiétude pour ses marins. T'embarques tout ça, et tout ça, moi je veux le voir en Guadeloupe, et je vais demander en Guadeloupe. Comme ton livre de bord, je demanderai à Lanzarote et en Guadeloupe. Ce serait un peu plus cool, non? Ouais, non mais, oui. Non, on en reparlera en Guadeloupe, hein. Il faut qu'ils puissent atterrir si jamais ils ont un problème quelque part, atterrir dans un port. En 2013, on avait pas mal de soucis. Les concurrents n'avaient pas assez de documents, donc il a fallu que les bateaux accompagnateurs, les pilotes pratiquement jusqu'à un port. Et le but quand même de la Mini, c'est que les concurrents acquièrent un sens marin qui leur permette d'être autonomes. Donc on demande des documents pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Prudent, pointilleux à l'extrême. Car la Mini n'est pas une promenade de santé. Cette course, Denis Hugues la connaît bien pour y avoir participé deux fois, sur un bateau non adapté à son handicap. Il y a deux moments très forts en fait. Il y a le moment du départ, où on ne sait pas vers où on va, hein. On part vers l'inconnu. Hein. Même si on a fait des courses avant, il y a quand même la boule au ventre. Et puis après on se rassure progressivement parce qu'on est dans la flotte. Et puis il y a le moment de l'arrivée qui est bon, ça y est, on a accompli un peu notre rêve, hein, donc c'est fantastique. Moi, à mon arrivée, il y avait tous les minis qui ressortaient, et je comprenais pas, alors que bon, moi j'étais fatigué, j'étais à moitié malade, je comprenais pas pourquoi ils refaisaient à nouveau du bateau alors qu'ils venaient d'arriver, mais en fait, ils sortaient pour m'accueillir. Pas trop la boule au ventre Je suis stressé. T'es un grand stressé de toute façon, toi. C'est où? À Lanzarote. À tous les minis de la direction de course et du corps arbitral, bonne course à vous et rendez-vous à Lanzarote. La voix de Denis sera le seul lien qu'auront les marins avec la terre. Une bienveillance quotidienne jusqu'à leur arrivée en Guadeloupe une vingtaine de jours plus tard.